c'est une mer sur l'écran. Non. Bon, ben, temps pourri, c'est pas génial aujourd'hui, mais bon, on va faire avec, hein, ça fait partie du truc. Un petit problème, je refilme tout l'hôtel de jour, c'était beaucoup plus beau la nuit, mais je pense que j'ai foutu, mais en faisant le transfert, ben, j'ai paumé toute ma journée de départ et mon premier après-midi arrivé, dommage. Bon, ben, voilà, je vais m'en remettre. Hein. On dirait pas. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Bon, bah là déjà, donc on retourne un petit peu deux trois trucs que j'ai déjà fait, mais je vais pas me retaper toute la visite, hein, tant pis. Je verrai comment je ferai pour faire un petit montage en vidéo. Et ensuite, donc le programme de la journée. Le programme de la journée pour donc, notre deuxième jour réel, puisqu'en fait ça fera deux et demi, mais on va dire notre deuxième jour à Phnom Penh, ou Phnom Penh. On verra bien aussi, pareil, je ne sais pas comment ça se dit. Le deuxième jour à Phnom Penh, donc un petit tour au marché russe, le check-out de l'hôtel, petite balade en ville avec un temple dont je ne me rappelle plus du nom, qui se trouve pas loin du monument de l'indépendance que j'ai vu hier. Et ensuite, bah, retour à l'hôtel, prise de bagages, un petit tour sur le marché nuit, on va essayer de dégoter des choses bizarroïdes à manger. Et enfin, bah le bus pour ce qui me reste. Puis voilà, on se reverra d'ici là, de toute façon. Et puis, c'est n'importe quoi, mais en avant. Les nuits, je dors pas très bien quand même. Le corps, il dit, qu'est-ce que tu me couches à 2h de l'après-midi, là, c'est n'importe quoi. La nourriture, je mange parce qu'il faut manger, mais j'ai pas faim. Pareil, je pense que ça vient du décalage horaire. Je bouffe des conneries, par contre, je bois... Des Tuk Kolok, c'est une sorte de boisson à base de fruits et de lait concentré sucré, mais alors je m'en fais péter le bide, j'arrête pas d'en boire. À chaque fois que je croise un marchand, j'en prends un. Donc peut-être que ça me nourrit, peut-être que c'est ça qui me coupe la faim. Allez, c'est parti pour le road de l'enfer. Hello,
surtout des fringues. Hein. La chaleur là-dedans. Sans le vouloir, je me retrouve dans un restaurant japonais, le Karakara, Kalakala, pour les puristes. Et je me suis commandé une soupe classique avec des gyoza, du riz. Je ne sais pas trop c'est quoi tout ça, mais bon. Voilà, voilà. Et ça a l'air très bon, et puis j'ai goûté déjà la soupe, c'est super bon. Pas un bonhomme, je sais pas qui c'est. Putain, j'ai trop bouffé. Le resto japonais, super bon, pas cher, 5 euros, 5 dollars, et je suis calé pour la journée. J'en avais un petit peu marre de bouffer de la street food, de pas savoir exactement ce qu'il y avait dedans, mais là je suis calé. Allez, où on va aller voir un temple. Il y a trompe levée, ça me fait penser à quelqu'un.
Encore une fois, je vous emmène dans mes balades nocturnes. C'est rare, profitez-en. Je prends le bus à 23h30 ou 23h, je sais pas trop, mais je serai là un petit peu en avance. Puis voilà, on est en train de boire du jus de canne à sucre qui est super bon. Au milieu du marché de nuit. Chăm sóc bao lâu.